Hallo, das ist Nicolas von WTT Plaisir. Heute werde ich über den Magic Marie-Reifen von Schwalbe sprechen. Lass uns gehen. Et salut les amis, ici Nico de WTT Plaisir. Aujourd'hui, test et retour sur le pneu avant Magic Mary. Je dis pneu avant, ça peut très bien se monter à l'arrière, ce qui paraît. Dans le haut budget, ils sont très fans de la monte à l'arrière. Allez, on se retrouve tout de suite sur le VTT. Donc une vidéo sur ce fameux pneu Magic Mary de la maison Schöbel. Alors, c'est une marque que j'ai critiquée, mais alors, avec un grand plaisir depuis que je suis monté sur un VTT, ça fait déjà 11 ans. Et j'ai toujours critiqué Schöbel pour une raison qui est simple, c'est que Schöbel a fait beaucoup de premières montes sur les VTT. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir plusieurs plans, notamment un plan accéléré de la monte du pneu. J'ai galéré, je vous dis pas. Je me suis même servi d'un démon de pneu sur un pneu tubeless ready. C'est pas le genre de la maison, mais sinon je pense que j'y serai encore. Je vais aussi vous afficher à l'écran, si je fais bien mon job, les trois pictogrammes de chez Schöbel. C'est vrai que je suis pro Maxxis depuis très très longtemps. Et chez Schöbel, j'ai un peu galéré, donc je me suis mis à la place d'un nouvel acheteur. Et donc je vais vous afficher les pictos et à quoi ça correspond à peu près. Alors on y va pour le premier picto, c'est picto orange avec marqué Adix Soft. C'est d'ailleurs le cas de ce pneu-là testé. Donc Adix Soft, c'est une différence de gomme, c'est une gomme qui est plus typée DH Enduro. Donc j'ai souhaité avoir un pneu de ce type parce que derrière, vous savez, j'ai monté un Michelin DH34. Donc c'est vrai qu'on fait du all mountain, mais on fait un peu du all mountain engagé. Et je souhaitais vraiment avoir des pneus qui tiennent la distance en descente. Et tant pis pour la perte de rendement en montée, c'est un choix personnel. Après le deuxième picto, c'est un picto un peu gris-noir qui fait penser aux heures sombres de l'histoire. En plus, il y a marqué SS. Mais c'est skin, je sais plus quoi, skin screed ou un truc du genre. Donc c'est tout simplement le renforcement de la carcasse. Et d'après ce que j'ai compris, c'est pas que les flancs qui sont renforcés comme chez d'autres marques. Apparemment, c'est la carcasse complète qui est renforcée anti-déchirement. Et troisième picto, qui est plus de la couleur verte. Ça, c'est pour nos amis possesseurs de e-bike. C'est, alors que je vous dise pas de bêtises, c'est le e-bike Ready 25, je crois. Et bon, on est sur un pneu typiquement, comment dire, étudié et développé pour le e-bike. Et je me suis laissé entendre dire qu'il y avait même certains gars en DH qui s'est servi chez le e-bike. Donc une gamme assez complète, pas mal de choix. Et j'espère vraiment que Schöbel va me faire mentir sur ce pneu parce que c'est... Je voulais mettre vraiment un point d'honneur à tester un produit que j'ai critiqué depuis longtemps. Donc voilà. Et puis tout au long de la sortie, je vais essayer de trouver des gars qui roulent là-dessus ou qui ont roulé là-dessus. Et j'espère aussi dans le montage vous proposer un retour d'un très bon pote à moi. Vous le reconnaîtrez peut-être ou vous l'avez peut-être déjà vu sur l'intro. Et ben voilà une pédale qui est bien mise. Ah, vous êtes tous les copains? Comment ça va aujourd'hui? Moi c'est Jérém de VTT avec Captain Buget. Et pour une fois, je suis pas après m'énerver sur cette saloperie de Sramigol. Non, ça change. Si je suis là à vous parler alors qu'on n'est pas sur ma chaîne, c'est parce que Nico m'a demandé mon avis sur un produit fantastique, ouais je spoil, le Magic Mary de chez Schwalbe. Ou Schwalbe. Ou Schwalbe si on le dit en allemand. Bref, on s'en fout. Moi le mien c'est un gomme Adix Soft, Snake Skin Evo TLE. Vous êtes marqué par là. En tout cas, vous l'aurez sûrement remarqué.
entre le sud sec et caillouteux de chez Nico et mon haut budget natal bien boueux, humide et voire neigeux en hiver, il y a une sacrée différence de terrain. Et pourtant, le Magic Mary, je pense qu'on peut pas faire plus polyvalent que ce pneu. Pour avoir roulé dans leur sud sec et caillouteux, et même le budget l'été c'est super sec et la terre est tassée, il m'a jamais pris en défaut ce pneu. Et dans la boue et les conditions humides, il accroche à fond la tête. Le profil, ça se rapproche un peu de ce qu'on pourrait trouver chez Maxxis au niveau des shorties, avec des crampons bien espacés, une bande de roulement qui ne fait pas trop enclume. C'est pas le plus véloce, mais bon, avec mon pôle de 17 kg, je cherche pas spécialement la performance en montée. Avant, pour rouler en hiver, je montais deux shorties, un devant et un derrière. Mais depuis que j'ai ce pneu, je n'en monte plus qu'un seul à l'arrière. Celui-là me sert de pneu avant de toute l'année. Je suis pas sûr qu'on puisse faire plus polyvalent que ça. Au niveau de la résistance, pour l'instant, j'ai pas trop à m'en plaindre, je l'ai encore jamais crevé. C'est plutôt pas mal. J'espère que cet avis absolument pas constructif vous aura un petit peu aidé. Je crois qu'il est grand temps que je rende l'antenne à Nico. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne et de partager. Allez, ciao, bye les potes. J'ai remonté ma roue avant, moi. Bon, vous avez vu, on est une arme à neuf aujourd'hui. Je pensais faire un peu des interviews pour des retours d'expérience sur le Magic Mary. Mais il y a une grosse majorité en Maxxis. Allez, au revoir, mon gars! Une grosse majorité en Maxxis à l'avant et pas beaucoup de mecs en Magic Mary pour finir. Donc je crois que les petites séquences interview bah, vont pas être nombreuses. Ah, là on est en sécurité, là on est en confiance là, avec un pneu comme ça. C'est bon. Je suis content. Au ressenti il est un peu dur, mais il approche bien. Oh. Hey, tu veux petit passage sympathique? On se place. Hop, dans la roue de Steph, on est bien là. On est bien dans la roue là. Il va me taper à force. Quand Nico m'a proposé de faire un retour sur le Magic Mary, j'ai tout de suite accepté puisque c'est un pneu que j'affectionne particulièrement. Je l'ai en monte à l'avant depuis un an, jour pour jour. Au départ, en combo avec le Hans Dampf, qui est son petit frère chez Schwalbe à l'arrière, que j'ai vite remplacé puisqu'il s'est utilisé très rapidement par un Michelin Wild Enduro. Et pour moi, la combo Magic Mary, Michelin Wild Enduro à l'arrière, c'est la combo parfaite. Super polyvalente. Moi, je les ai emmenés partout, ces pneus-là, c'est-à-dire que je les ai emmenés en haute montagne, je les ai emmenés dans la boue à côté de chez moi, je les ai emmenés dans la boue extrême de chez Captain Buget, faire du cross-country, faire de l'enduro, faire de la DH. On est allé en station plusieurs fois aussi avec ces pneus-là. Voilà, il ne m'a jamais fait défaut, ce Magic Mary. Faut savoir que cette année, sur les 10 mois où j'ai roulé cette année-là, j'ai fait 2600 km avec et que le pneu est encore en super état. Hop. Voilà, je vous laisse regarder. Il faut savoir que je l'ai pris en gomme moyennement tendre, la gomme Adix, la orange. Il faut savoir aussi que chez Exacyc, qui est à Ambérieu, eux montent les Magic Mary à l'avant et à l'arrière, quand c'est dans les périodes comme maintenant, où c'est très boueux dans le budget. Après, c'est un choix, ça risque de faire un vélo qui avance pas du tout en montée. Par contre, en descente, a priori, c'est irréprochable. Moi, je garde mon couple avec mon Michelin à l'arrière, puisque j'en suis fan. Mais voilà, faut savoir que ça peut se faire aussi. Que dire d'autre bah, pour finir, c'est que bah, quand il sera fini ce pneu-là, je reprendrai, c'est sûr, un Magic Mary à l'avant, puisque j'en suis vraiment très content. J'aime vraiment le comportement du vélo avec. Peut-être que je passerai sur la gomme violette, vu comme il s'use pas, je me dis peut-être prendre plus tendre encore. Je sais pas si c'est une bonne idée, donc voilà, c'est à réfléchir encore. Mais voilà, le prochain, ça sera forcément un Magic Mary. Allez, bon, je vous laisse là-dessus. Hein. Ciao les potes. Je vais faire une interview d'un heureux possesseur d'un Magic Mary. Ah oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses de ce pneu? Ouais. Moi, pour moi, j'en ai fait quelques-uns. Et pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure pour toi? En fait, le plus polyvalent. Ah ouais. Terrain boueux, ça passe, nickel. Terrain sec, même chez nous, ça passe aussi. Franchement... C'est génial. C'est génial. Bon, opinion favorable. Ah ouais, très favorable. J'ai monté ma foi, ça a l'air bien. Toi aussi tu as mis? J'ai mis aujourd'hui, hein. Franchement, j'ai pas d'expérience dessus. Hein.
Mais déjà la première, tu sais, première descente qu'on a prise, ouais. Par rapport au Maxxis que j'ai d'origine, ouais. Franchement, il n'y a pas photo quoi. Ah oui, donc c'est ça. Une bonne accroche quoi. Super accroche, même c'est ça qui est bien, c'est que moi mais je le laisse toute l'année. Ouais. Donc c'est nickel quoi. Bonjour. Même les par conditions sèches, ça tient. Ah ouais, même sur le sec, ça accroche bien quoi. Ah ouais. Ok. Par rapport à, ben moi j'avais du Mignon DHR d'origine, DHR 2. Ouais. Franchement, c'est beaucoup mieux. Ça pardonne tout. Et aussi, c'est beaucoup plus renforcé. Il est plus lourd, mais... Bah, je l'ai pesé à 1,4 kg. Ouais, voilà. Plus lourd, mais par contre, ça pince pas, ça se perce pas, ça se déchire pas. Pourtant, je suis pas propre. Oh, bah, ça, ça, franchement, on a tout ça, on n'est pas très propre. Et puis surtout ici, avec aussi, tout, ouais. Toutes ces pierres et tout. Ok, ok. Bah, merci. Soutien. Je crois que le Magic Mary n'aime pas les cailloux. Alors, j'ai voulu jouer sécu et j'ai mis 1,8 avant, 1,8 à l'arrière. Et j'ai l'impression de sauter beaucoup trop dans les cailloux. Dans la terre, franchement, une accroche de dingue. Par contre, quand on commence à être dans vraiment du gros caillou, de la pavasse, voilà, là, ça va être un terrain beaucoup mieux pour lui. Mais sinon, la pavasse, ça ne lui plaît pas. C'est une impression. Ben oui, ben, une impression qui se confirme. J'ai perdu l'avant. Ah, ça va un peu mieux, le pneu, j'ai un peu dégonflé. Tendance à trop rebondir. Un 8, je crois que c'est beaucoup trop pour moi. Mais... Allez, les amis, cette vidéo sur le shovel s'arrête. Je profite d'un gros coup de moins bien là pour vous faire la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Soit de bons rides et faites du vélo.